Ma voix en or. Amnalini. Il y a quelques jours, j'ai repéré une belle maison à Calcutta. Avec trois immenses chambres, deux grands couloirs, une cuisine, une salle de bain et un grand jardin. Vous vous seriez senti à l'étroit dans mon ancienne maison. Mais là, vous ne manquerez pas d'espace. Vous allez l'adorer. La chambre de gauche sera pour nos activités. Pour pouvoir écrire, mon bureau sera près de la fenêtre. Et votre piano sera placé contre le mur. Mais malheureusement, l'état de mes finances actuelles ne me permet pas d'acheter un piano pour l'instant. Nous trouverons une solution, ne vous en faites pas, pour que vous puissiez continuer à chanter. La boîte la plus lourde à transporter dans la nouvelle maison est une boîte pleine de livres de Rabindranath Tagore. J'ai commandé un exemplaire de tous les livres qu'il a écrits. Vous allez me dire que vous ne croyez pas en Dieu. Mais M. Tagore est un personnage aussi vénéré qu'un Dieu. C'est de notoriété publique. Je pense que je devrais engager un prêtre qui viendrait tous les jours pour bénir cette boîte de livres. Jusqu'à que vous soyez là, je pense que je devrais venir chez vous pour votre anniversaire et parler à votre père. Si je me dépêche pas un peu, vous pourriez vous envoler avec votre poète préféré. Je vous dérange en train de parler avec maman, c'est ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne dis rien, moi, tu sais. C'est elle qui me réprimande. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vous reproche? Je ne comprends pas. Tu as 20 ans aujourd'hui, ma chérie. Si tu étais née dans une autre famille, tu aurais déjà plein d'enfants à l'heure qu'il est. Je suis très égoïste. Je n'ai pas voulu te trouver un mari, car je ne voulais pas rester seule. Et vous n'avez pas expliqué à maman que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous tenir compagnie? Si elle ne vous avait pas abandonné, vous n'auriez pas besoin de votre fille. Eh, mais si, je voudrais quand même que tu sois là. Tout le monde me le reproche d'ailleurs. C'est si dur à comprendre. Oubliez ça. Venez avec moi. Vous ne vous êtes même pas encore changé. Je ne peux pas dire aux gens que je ne t'ai pas élevée comme les autres filles. Je n'ai jamais fait aucune différence entre ton frère et toi. Et qui pourrait vous en vouloir pour ça? Toi. Tu pourrais me reprocher, par exemple, de ne jamais avoir essayé de te marier. Je vous laisse en discuter avec maman, moi je m'en vais. Attends, reviens par là. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es-tu fait si belle? Pour qui? Ça suffit, père, tout le monde nous attend. Pourquoi tu ne me le dis pas? Tu es amoureuse? Oui, père. Mais vous ne me laisserez jamais l'épouser. Pourquoi pas? Mais qui est-ce donc? Je le connais? Oui. Vraiment? Oui, je vous dis. Je l'ai déjà rencontré. Je sais que vous le connaissez, mais je ne sais pas si vous l'avez rencontré. Mais qui est-ce?
Rabindranath Tagore. Et alors, sa femme est morte il y a 20 ans, et ses enfants sont grands maintenant. L'année prochaine, je viendrai ici avec lui pour mon anniversaire. Vous demandez votre bénédiction. Voilà, tenez. Dis-moi, est-ce que je devrais faire venir Amesh aujourd'hui et lui parler? Et que lui diriez-vous? Qu'il pourrait fixer une date, par exemple. Ah, mon oncle, c'est vous? Amesh n'est pas encore arrivé? Non, pas encore. J'avais insisté sur l'horaire, mais vous le connaissez. Il a la tête en l'air. Une petite minute. Panchanan! Bienvenue, Akshay. Vous êtes passé devant la maison de Ramesh oui. En venant? Vous avez vu de la lumière? Non, mais je l'ai aperçu de loin. Il avait l'air d'être en train de fermer la porte. Ce qui veut dire qu'il est en route. Venez. Voulez-vous qu'on attende un peu? C'est Ramesh qui s'est occupé de tout organiser, y compris de commander le gâteau. Oui, mais en oubliant de mettre la date. Comme d'habitude, c'est du Ramesh tout craché. Je n'en suis pas certain. J'étais trop loin pour bien voir. Mais il me semble qu'il était avec un vieux monsieur, qui semblait très pauvre. Ramesh doit être en train de collecter de l'argent pour le remariage d'une veuve. Alors, ce n'est pas la peine de l'attendre, mademoiselle. Bon anniversaire. Ah, merci. Il n'y a personne chez lui. Sa maison est fermée. Son propriétaire m'a dit qu'il avait reçu un message de son père, lui demandant de venir tout de suite. Ramesh est parti dans son village. Je vous laisse maintenant. Merci. Très bien. Ça va. Au revoir. Viens avec moi. Qu'est-ce qu'il y a de si étrange à se marier? Et pourquoi es-tu aussi surpris? Et comment ne pas l'être? Vous ne m'en avez même pas parlé. Qu'est-ce qui vous fait penser que je vais épouser n'importe quelle fille que vous choisissez? Que veux-tu dire? Ce n'est pas parce qu'elle est pauvre que cela te donne le droit de l'insulter. Sa mère est juste là. Elle pourrait t'entendre. Comment? La femme que je viens de croiser? Oui. Il n'y a pas de date favorable dans les 3 prochains mois. Alors, il faut faire vite. Pourquoi Ramesh. Ne comprenez-vous pas? C'est impossible. Vous vous rendez compte que vous ne m'en avez jamais parlé? Je suis ton père et je sais exactement ce qui est bon ou pas pour toi. Je n'ai donc pas jugé utile de t'en parler. C'est ridicule. Évidemment, la seule date favorable pour me marier est dans 3 jours. Je ne peux pas faire ça, père. Je lui ai donné ma parole, Ramesh. À cette femme, à cette pauvre veuve, je lui ai donné ma parole. Tu comprends? J'ai fait une promesse, moi aussi, père. Comment s'appelle-t-elle? Pourquoi? Je ne vous ai pas demandé le nom de la fille que vous avez choisie. Elle s'appelle Sushila. Vos signes astrales se concordent très bien, et elle est très gentille. Elle n'est peut-être pas éduquée, mais elle a du cœur. Elle fait les tâches ménagères et la cuisine. Tu vis seule à Calcutta. Elle pourrait prendre soin de toi. Et si je vous disais que je ne veux pas épouser une femme d'intérieur inculte? Surveille ton langage, Ramesh. À quoi ont donc servi ces coûteuses études à Calcutta? Tu me fais honte. Je me suis engagé envers une autre, père. Je lui ai promis que j'allais l'épouser. Tout comme vous avez promis à cette femme que j'allais épouser sa fille. Mais il s'agit de ma vie. Et je ne la vivrai qu'une seule fois. C'est pourquoi je vais respecter mon engagement. J'espère que vous comprendrez ma décision. Je vous laisse, je rentre à Calcutta. Alors bénissez-moi. Attends, Ramesh. T'as bien aimé est orpheline? Non. Sa mère est décédée. Mais son père est encore là. Est-ce qu'elle est pauvre? Et sans ressources? Non. Sa famille a une maison à Calcutta. Elle est ravissante, instruite et cultivée. Elle chante bien aussi. Je suis sûr qu'elle vous plaira.
Comment peux-tu dire ça? Pour ce que je sais de vous, père. Tu ne sais rien de moi. Absolument rien. Et à vrai dire, je ne te connais pas non plus. J'ai toujours pensé que tu me comprenais, mais je me suis trompé. Je pensais que je pouvais faire une promesse à ta place. Si seulement j'avais su que tu valorisais autant la beauté et la richesse, au point de rejeter catégoriquement la fille d'une pauvre veuve, je n'aurais certainement jamais pris d'engagement. Pars maintenant, Ramesh. Et prends soin de toi. Mais ne reviens jamais dans cette maison. Cher Hem, vous aviez raison. Ma vie est pleine de dilemmes. Je suis venu dans mon village car mon père me l'a demandé. En arrivant ici, j'ai découvert que mon père avait organisé mon mariage dans mon dos, sans me tenir informé. Je savais que si je refusais d'épouser cette fille, mon père allait me renier. Mais j'ai maintenu ma décision. Il va pleuvoir. Ne partez pas. Excusez-moi d'être aussi direct avec vous. Ne le retenez pas. Qu'il s'en aille. Ne vous en faites pas. Sushila se mariera ce lundi. Qu'il s'en aille. Je ne veux surtout pas qu'un père et son fils se fâchent à vie à cause de ma fille. Je préférerais la tuer plutôt que ça arrive. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Je pense que votre père m'a fait une promesse sans vous le dire. Mais à cause de cette promesse, nous sommes allés de l'avant et avons déjà tout organisé pour ce mariage. Combien de jours nous reste-t-il jusqu'à lundi? Tout est prêt pour la cérémonie. J'ai dépensé toutes mes économies. J'ai fait de nombreuses dépenses pour que ma fille puisse devenir votre femme et aille vivre avec vous. Si ce mariage est annulé, alors ma fille et moi, nous nous suiciderons. Croyez-moi, M. J'ai dit non à mon père. Mais je n'ai pas pu refuser la demande de cette étrangère. Elle a réussi à semer la confusion dans mon esprit. Et ma grande détermination à maintenir ma décision s'est évaporée. Toutes mes certitudes se sont envolées. Tout semblait sans importance. J'ai pris ma décision. Rentrez chez vous. N'annulez pas les préparatifs de ce mariage. Mais vous avez dit que vous aviez déjà donné votre parole. Elle sera très malheureuse. Mais elle mettra pas fin à ses jours.
Quelle tempête s'est abattue sur le bateau avant de le propulser sur les berges du fleuve. Seul un poète saurait la décrire. Pour ma part, j'en suis incapable. Je me souviens juste d'un énorme nuage noir menaçant au-dessus de nous et ensuite d'un éclair foudroyant qui a frappé notre bateau. Mais avant de perdre connaissance, avant la pluie, la foudre, le chaos et tout le reste, votre doux visage flottait devant mes yeux. Et lorsque j'ouvris enfin les yeux, après cette affreuse nuit, je me retrouvai étendu sur la berge, sous un ciel d'un bleu éclatant. Sushila? 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 Est-ce que ça va? Attends, je vais chercher de l'aide. Ne me laissez pas seule, je vous en prie. Lève-toi. Tenez. Tantine m'a dit que nous devions le garder avec nous pendant 7 jours. On dit que la mère ne garde jamais rien de ce qu'on peut lui jeter. Qu'elle le renvoie toujours, tôt ou tard. Je me rends compte aujourd'hui que c'est également vrai pour le fleuve. Mais c'est ma décision qui m'a fait perdre quelque chose. Et non pas le fleuve. Et je ne peux pas espérer le retrouver dans cette vie. Je vais commencer une nouvelle vie. Avec quelqu'un d'autre. Et j'ai besoin d'être complètement honnête avec vous. Avant de commencer cette aventure, où j'aurai l'impression d'insulter notre belle et longue relation. M, je ne sais pas. S'il est judicieux que vous lisiez cette lettre. Qui sait, cela pourrait encore semer la confusion dans mon esprit. Père ? Alors comment ça s'est passé avec maman aujourd'hui ? Vous vous êtes encore disputé ou non ? Non, je n'ai pas eu le temps de me disputer avec elle, car je me suis penché sur l'affaire Bawal Sanyasi qui intéresse tant les gens en ce moment. Et je ne comprends pas pourquoi. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, je pense que cette affaire est en cours et qu'il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. Père ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu un télégramme. J'ai été admis. Bravo, mon fils ! Hein ? Tu as entendu la bonne nouvelle ? Approche. Tu as reçu un télégramme à cette heure-ci ? En fait, je l'ai reçu hier soir. Mais je n'allais pas déranger Père en plein milieu de la nuit.
Et puis, avant d'annoncer la bonne nouvelle, je suis allé acheter des douceurs. Tenez, prenez-les. Va voir maman pour qu'elle te bénisse. Quand est-ce que tes cours vont commencer ? Le mois prochain, apparemment. Il faut que je vérifie la date de départ du bateau. Je ne devrais pas tarder à embarquer. Je dois m'occuper de mon billet. Dès que tu auras terminé tes études, rentre vite à la maison, mon fils. Tu m'entends ? Je crois bien que l'affaire Bawal Sanyasi ne sera pas terminée d'ici là. Et si je ne me trompe pas, comme tous les autres avocats, toi aussi, tu pourras te faire beaucoup d'argent avec cette affaire. Tu n'as pas de soucis à te faire. Enfin, père, vous êtes incorrigible. Vous ne connaissez pas votre fils ? Une fois rentré, il aidera les fermiers qui ont été privés de leurs terres et les veuves dont les familles les ont trahis. C'est ce genre de cause qu'il défendra. Vous verrez, il accrochera même un panneau devant la maison indiquant qu'il est prêt à donner des conseils juridiques gratuitement. Et ce fameux panneau, Bawal Sanyasi le verra et lui demandera son aide. Sanyasi signifie « ermite ». Alors, Monsieur Sanyasi clamera que puisqu'il est un ermite, il ne peut pas payer sa défense et demandera à mon fils de le représenter gratuitement. D'accord, mais si mon fils gagne, il partagera avec lui. Et qu'est-ce que j'aurai, moi ? Hein ? Viens. Donne-moi ça. Il n'y a pas de salle de prière dans cette maison. Tu ne vas pas manger ? Si, quand vous aurez fini. Mange et va te coucher. Ne m'attends pas. Cela fait longtemps que je n'ai pas ouvert mes livres. Qu'est-ce qui se passe ? Vous ne buvez pas le lait ? Tenez. Toi, bois-le. Vous réfléchissez tellement toute la journée, vous avez besoin de boire du lait. Qui t'a dit que boire du lait aidait à réfléchir ? Je le sais, c'est tout. Je ne suis peut-être pas médecin comme vous, mais je sais quand même des choses. Qui t'a dit que j'étais médecin ? C'est ma tantine. Je suis avocat. La loi, Tu y connais quelque chose en matière de droit ? Avocat ? C'est que j'ai certainement du mal à comprendre.
J'ai toujours pensé que vous n'étiez pas fait pour être avocat. Quand je relis votre lettre, cela ne fait plus aucun doute, je sais que j'ai raison. Un avocat est censé faire éclater la vérité en fournissant des preuves. Vous avez pensé que j'allais me sentir à l'étroit dans votre ancienne maison, mais c'est peut-être faux. C'est une extrapolation de votre part. Un poète peut laisser son imagination vagabonder, mais pas un avocat. Vous savez, après son mariage, Rabindranath a vécu dans une chambre sur la terrasse. C'est là qu'il a commencé sa nouvelle vie avec sa jeune épouse. J'ai une solution toute simple pour m'entraîner à chanter. Il y a très longtemps, les Rajputs des familles royales ne participaient pas à leur mariage. À la place, ils envoyaient un objet qui leur était très cher. Prenez par exemple l'histoire de la princesse Komolika qui s'est mariée au roi Vina. J'ai l'intention de vous faire parvenir ma tempura, mon précieux instrument de musique, pour que vous l'épousiez. J'aurai de toute façon apporté ma tempura avec moi dans cette maison, alors ce n'est pas gênant que mon instrument arrive sur place un peu avant moi. Ne vous inquiétez pas, mon instrument et moi sommes sages, calmes et posés. Et rassurez-vous, je ne serai pas du tout jalouse que vous épousiez mon instrument à ma place. Pourquoi tu ne dors pas? J'aurais besoin de ces choses. Pourriez-vous vous en charger, s'il vous plaît? Une photo de la déesse Lakshmi, une statue de Krishna, un panier de fleurs pour les rituels et les cérémonies. Qui a écrit tout ça? C'est moi. Pourquoi? J'ai fait des fautes? Tu sais lire et écrire? Il me semblait pourtant que... Je sais un peu, oui. Mon oncle m'a envoyé à l'école de mon village. Je vois ça, mais tu as commis quelques petites fautes. Tu as besoin d'apprendre la grammaire. Je t'apprendrai demain. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Non. Je suis sûre qu'il y a un problème. Vos examens approchent, n'est-ce pas? Et? Vous savez, j'ai toujours pleuré avant mes examens. Retourne te coucher. S'il vous plaît, rappelez-vous de me rapporter tout ça demain. Je vais bien prier pour vous. Je suis sûre que vous allez réussir vos examens. When I was a bachelor, I lived all alone and I worked at the weaver's trade. And the only thing that I ever did wrong was to woo a fair young maid. Mukada? Oui, madame? Dis-moi qui joue du piano. C'est Monsieur Akshay.
Cela fait un moment qu'il est arrivé. Et il a apporté un énorme bouquet de roses rouges pour vous. Oh. Demande à Père s'il veut dîner maintenant. Tout de suite, madame. Oh non, on dirait qu'un orage se prépare. Père, demandez à Stenson de rentrer chez lui. Non, non, ce n'est pas Tenzin, mais une sonate anglaise. On raconte que Tenzin a chanté pour le roi Akbar et qu'il s'est mis à pleuvoir. Mais Akshay vient de prouver qu'une sonate anglaise pouvait aussi amener la pluie. Akshay, un point pour toi. Allez, rentre maintenant. Sinon, tu vas te retrouver en pleine tempête. Sushila ! Sushila ! Ferme les fenêtres, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Une coupure de courant? À cause des arbres qui sont tombés sur moi. Je ne comprends pas pourquoi vous m'appelez tout le temps Sushila. Pensez-vous que de changer mon nom va changer mon destin? Ce nom va-t-il me porter chance? Pourquoi je voudrais changer ton nom? Je ne crois pas à la chance ou au destin. Je t'appelle par le nom que tes parents t'ont donné. Mais je m'appelle Kamla. C'est mon oncle qui m'a donné ce nom. Ce n'est pas parce que c'est ma fille que je dis tout ça. Elle s'appelle Sushila. Et elle est vraiment très douce et réservée. Même si vous la frappez, elle ne se plaindra pas. Pourquoi ? Mon oncle ne vous a pas tout dit à mon sujet avant le mariage ? Comment ça ? Oh. Je suis sûre qu'il s'est dit que vous refuseriez de m'épouser en sachant la vérité. Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai toujours porté malheur. Je n'avais que 7 jours quand mes parents sont morts. C'est mon oncle qui m'a recueillie et élevée. Je suis née le jour de la fête de la déesse Lakshmi, aussi connue sous le nom de Kamla. Est-ce qu'un nom peut changer un destin? Dites-moi. Quel est le nom de ton oncle? Pourquoi? Est-ce que vous allez le poursuivre en justice? Non, je ne vais pas le poursuivre en justice. Donne-moi juste le nom de ton oncle, s'il te plaît. Monsieur Taranicharan Bhattacharya. De quel village? Son adresse? Pourquoi? Vous y êtes déjà venu pour m'épouser, non? Vous avez déjà oublié le nom de mon village? C'est vrai que c'est ton père qui a organisé ton mariage, mais ne penses-tu pas que tu devrais quand même voir le carton d'invitation? J'ai l'honneur de vous annoncer que mon fils Ramesh se mariera ce lundi à Dobapukur. Où se trouve Dobapukur? Dobapukur et Sagordari sont très éloignés. À quoi ça sert de lire d'aussi gros livres si vous ne vous rappelez de rien? C'est pour ça que tu es là. Sagordari. Je suis sûre que vous connaissez au moins une personne de mon village. C'est un poète très connu. Oh, et tu penses que je le connais? Qui est-il? Quel est son nom? Il s'est fait chasser de sa maison car il s'est converti au christianisme. Michael Madhusudan Datta. Oui, c'est lui. Tu m'as raconté beaucoup de choses. Es-tu prête à entendre ce que j'ai à dire?
Je sais déjà tout. Qu'est-ce que tu sais? Comment je m'appelle? D'où est-ce que je viens? Vous venez de Kashi? Je pensais que vous étiez médecin, mais j'avais mal compris. Et quel est mon nom? Oh non. Je ne suis pas autorisée à vous dire votre nom. Attendez, je vais aller l'écrire. Je ne suis pas sûre de l'avoir bien écrit, mais vous avez promis de m'apprendre. Oh, ça y est, le courant est revenu. La tempête n'était pas si violente finalement. Passez-moi la lampe. J'aimerais juste que vous répondiez à une question. Pourquoi sommes-nous venus à Calcutta au lieu d'aller à Kashi? Ramesh, qu'est-ce que tu fais là? Quand es-tu arrivé? J'ai appris pour le décès de ton père. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Tu as réfléchi? Que vas-tu faire? Tu as une idée? Non. Est-ce que tu veux rester ici quelques jours? J'ai appris que tu avais déménagé. Où habites-tu maintenant? J'ai trouvé une nouvelle maison. Un bon bain vous ferait le plus grand bien. Voulez-vous que je m'en occupe? Non. Je dois rentrer chez moi. Navré de vous avoir fait faire du souci. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous l'ai dit. Rien d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Je sais que rien ne pourra vous aider à aller mieux. Rien ne pourra apaiser votre chagrin. Mais partager votre peine avec quelqu'un vous soulagera. Vous croyez vraiment qu'on peut tout partager? Non. On ne peut pas tout partager. Mais on peut essayer. Quand on fait confiance à une personne qui pense comme nous. Vous avez toujours confiance en moi? À votre avis, est-ce que l'amour peut rendre égoïste? Vous savez? Être séparée de mon frère pour la toute première fois me semblait insurmontable. J'étais tellement triste. Quand le bateau s'est éloigné, mon frère me faisait des signes d'adieu. Mon père et moi étions effondrés. Même Akshay ne savait pas comment nous réconforter. Il ne cessait de nous dire de ne pas nous en faire. Comment pouvais-je lui dire que je ne pleurais pas parce que mon frère partait? J'étais dans cet état parce que l'homme dont j'avais le plus besoin
à ce moment précis, n'était pas auprès de moi. C'est pour ça que je pleurais. Ne pleurez pas, M. Qu'est-ce que vous faites debout ? Asseyez-vous. Je termine ma prière et ensuite je vous sers votre déjeuner. En fait, je suis venu vous demander une autre faveur. Plus d'enfants et de veuves, j'espère. Non, ce n'est pas ça. Elle est mariée. Mais elle fait partie des épouses abandonnées, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai besoin d'en savoir davantage. Avez-vous prévenu la police ? Et ses proches, vous les avez contactés ? Elle n'a plus de famille. Une orpheline. Alors vous êtes son tuteur légal ? Oui. Êtes-vous en train d'étudier pour vos examens ? J'aimerais que vous me répondiez franchement. Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas ? D'où sort cette idée soudainement, hein ? Tu es quelqu'un de bien. Puis-je vous dire quelque chose ? Je t'en prie. Je sais parfaitement que les filles n'ont pas le droit de choisir leur mari. Mais moi, je trouve que j'ai vraiment beaucoup de chance. Quand on m'a dit qu'un médecin était arrivé de la ville et qu'il avait accepté de m'épouser, sans même m'avoir rencontré une seule fois, je me suis dit tout de suite qu'il devait sûrement être très riche et qu'il devait certainement être déjà marié, qu'il avait une première épousée. Épouse, pas épousée. C'est ce que je voulais dire. Mais une fois arrivée ici, j'ai réalisé que vous n'étiez pas déjà marié et que tout m'appartenait dans cette maison. Très bien. Te voilà rassurée. Fais-moi plaisir, va dormir. Je dois étudier. M. C'est très étrange. Parfois, vous m'appelez Sushila. Et maintenant, vous m'appelez M. Je suis Kamla, votre épousée. Désolée, pardonnez-moi. Épouse. Qu'est-ce que tu fais encore debout ? Laissez-moi vous masser un peu la tête. Non, merci. Va donc te mettre au lit. Je pense que finalement, j'avais raison. Vous ne m'aimez pas. Vous ne supportez pas que je vous touche. Qu'est-ce qui se passe ? Que faites-vous ici à une heure pareille ? Je dois vous dire quelque chose. C'est personnel. Donne-la-moi. Laisse-nous, s'il te plaît. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que vous êtes venu me dire ? Vous venez m'apprendre une nouvelle ? Voulez-vous m'épouser ? Tout de suite.
t'aime. À quelle question dois-je répondre? Je vous en prie. Vous connaissez la réponse à la première question. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse se marier tout de suite. Dites-moi, vous, si c'est possible. Est-ce que vous croyez à l'échange de vœux? Aime. Mon père y croit. Mon grand-père y croit. Ce mariage concerne également nos familles. D'accord. Écrivez à Jogen et demandez-lui de revenir. Nous devons fixer une date au plus vite. Je ne veux pas attendre plus longtemps. Vous ne pouvez pas vous marier avant l'année prochaine. Vous êtes en deuil. Et il faut l'être pendant un an? Qui décide de ça, M? Très bien. Je voulais être sûre que vous n'ayez pas oublié. Mais si vous voulez, je parlerai à mon père demain. Mais M, vous ne me demandez pas pourquoi je suis si pressée? Pourquoi vous le demandez? Vous me l'auriez dit si vous l'aviez jugé nécessaire. Vous avez une telle confiance en moi? Vous le savez, pour avoir osé venir en pleine nuit me demander en mariage. Alors faites-moi une promesse. Peu importe ce que les gens disent. Qu'est-ce que vous voulez dire? Peu importe ce que c'est. Si vous entendez quoi que ce soit sur moi, ne le croyez pas tant que vous ne l'avez pas entendu de ma bouche. Ce qui veut dire que vous me cachiez certaines choses? Ce ne serait pas mieux que vous me disiez tout maintenant? Je vous dirai tout. Laissez-moi juste un peu de temps. Je vous promets de tout vous dire très bientôt. J'ai juste besoin de temps. Ce n'est pas le bon moment. J'avais déjà entendu des histoires de mariage qui se décident sous l'impulsion du moment. Je ne savais pas que j'allais moi aussi vivre cette expérience. C'est ce que j'aime tant chez vous. Vous êtes vraiment unique. Vous affrontez tous vos problèmes, le sourire aux lèvres. Les problèmes? Vous considérez que le mariage est un problème? Allez, rentrez vite. Je parlerai avec mon père demain matin. Père? Je préparais la liste des invités. Tu pourrais y jeter un coup d'œil. J'espère que je n'ai pas oublié aucun de tes amis. Père, Akshay est là. Oh, c'est parfait. Comme ça, vous pourrez parcourir la liste ensemble. Akshay aimerait vous dire quelque chose. Akshay, approche. Akshay est venu me voir pour me dire qu'une nouvelle fille venait juste d'intégrer l'école dans laquelle sa sœur fait ses études. Et cette fille dit qu'elle est la femme de Ramesh. J'ai demandé à Jogen de vérifier cette histoire. Ce n'est pas la peine, père. Je ne veux pas y croire. Tant que je n'en aurai pas parlé avec Ramesh, je refuse d'y croire. Oh, Jogen, Akshay, entrez. Ce n'est pas la peine. J'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu la connais, Ramesh? Comment es-tu parenté à elle? Regarde-le attentivement. Est-ce que c'est bien ton mari? Allez, viens, Kamla. Jogen, après tout ça, est-ce que tu penses que Ramesh va aller voir M pour lui dire la vérité? Je te conseille de tout lui raconter toi-même. Eh bien, en fait, je ne pense pas qu'elle souffre physiquement. C'est plus un mal-être émotionnel. Peut-être, mais cela affecte sa santé. Cela fait des jours qu'elle n'a rien mangé. Elle n'a pas bu une goutte d'eau non plus. Vous n'auriez pas dû les laisser la sortir d'ici. Pardon? Mais qui sont-ils?
Et qui est-elle? Je ne comprends rien à ce que vous me racontez, monsieur Chaudhry. Kamla n'est pas vraiment ma femme, et... Mais tout le monde le croit. Pas vraiment? Elle l'est ou elle ne l'est pas? Oh, c'est une longue histoire. Ah, si seulement vous ne l'aviez pas laissée sortir. À présent, nous allons devoir quitter la ville. Nous n'avons pas le choix. Vous ne pensez pas que vous me devez des explications, monsieur Chaudhry? Vous ne m'avez pas dit que vous aviez un autre nom. Ils sont venus à l'école et m'ont demandé si je connaissais un monsieur Chaudhry. Je leur ai dit que non. Mais quand ils m'ont montré une photo de vous, là je vous ai reconnu. Rassemble toutes les statues dès que tu auras fini le ménage. Je les ai toutes mises dans un coin de la maison. Et je ne leur donne que de l'eau et du sucre comme offrande. Pourquoi ces statues vous dérangent autant? Elles ne me dérangent pas. C'est juste que nous ne pouvons pas rester à Calcutta. Nous devons quitter cette ville. Tu pourras remettre tes statues dans notre prochain logement. Je ne te laisserai faire comme tu veux. Je crois savoir où nous allons partir. Où? Kashi. Non, je n'ai pas encore décidé. Je pense que nous allons nous installer à l'ouest. Je sais que votre mère habite à Kashi. Allons là-bas, pour recevoir ses bénédictions. Peut-être, on verra. Bon, je vais commencer à emballer nos affaires. Kamla, est-ce que tu penses que tu pourras être ma femme pour la vie? J'ai parlé à Akshay. Il est d'accord. Nous n'avons pas besoin de changer la date du mariage. Nous devons seulement faire imprimer de nouveaux faire-part. De quel faire-part parles-tu? Ceux pour le mariage. Tu parles du mariage de M? Qui d'autre? Je ne peux pas épouser Akshay, moi. Tu as demandé à M? Bien sûr que oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle était d'accord? Non, elle n'a rien dit du tout. Et donc? J'ai fait mon plaidoyer. Et elle n'a pas eu d'objection. Elle n'a rien dit. Ce n'est pas parce qu'elle n'a rien dit qu'elle consent à ce mariage. C'est pourtant ce que dit la loi. Qui ne dit mot consent. Ce mariage n'aura pas lieu tant que M n'y consentira pas clairement. Avant ça, je ne donnerai pas mon accord. Je veux entendre de sa bouche qu'elle consent à ce mariage. Comment est-ce qu'on va voyager? Où ça? Là où nous allons nous installer. Comment allons-nous y aller? Nous irons en bateau? Non, nous prendrons le train, comme pour venir ici. Oh, Dieu merci. Pourquoi? J'ai vraiment peur de monter sur un bateau. Pourquoi? Tu as pourtant déjà pris le bateau, n'est-ce pas? Oui. Mais depuis ce jour-là, le fleuve, le bateau, les deux me font très peur. Tu n'as pas à avoir peur. Je te protégerai. L'école de mon village se trouve en bordure du Gange. On peut voir le fleuve par les fenêtres de la salle de classe. Un jour, le ciel était rempli de gros nuages gris et il y avait de fortes rafales de vent. J'ai regardé par la fenêtre. Et j'ai vu les bateaux dans le fleuve, tanguer et vaciller. Les rafales de vent devenaient de plus en plus fortes. On sentait qu'une tempête se préparait. Je ne me rappelle de rien d'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comment ça, tu ne te rappelles pas? Quand j'ai repris connaissance, j'ai senti que mon visage était mouillé. Des gens autour de moi m'ont allongé sur un banc. C'est quoi cette histoire? Tu as fait un malaise et... ils ne m'en ont même pas parlé? Eux, ils voulaient vous le dire. Mais c'est moi qui n'ai pas voulu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que moi je devrais tout vous dire? Tu as raison.
J'ai fait une erreur, Kamla. Crois-moi. Je ne cherche pas à te blesser volontairement. Tu sais parfaitement que je suis très occupé. Je sais que je ne prends pas assez de temps pour toi. Mais dis-moi quand tu as des ennuis, s'il te plaît. Tu sais quoi? Dès aujourd'hui, je vais prendre soin de toi. Tu ne vas pas me reconnaître. Vraiment? Et votre deuxième amour alors? Non, vous n'aurez pas de temps pour moi. Qui? Je parlais de vos études. J'en ai fini avec mes études, Kamla. C'est vrai, vous avez fini? Et votre examen? C'était très intéressant, Kamla. Que je réussisse ou que j'échoue, j'en sortirai satisfait. Est-ce que Jogan est venu te parler? Au sujet d'Akshay. Qu'est-ce que tu en penses? Il a raison. Il a tout à fait raison. Notre famille a une réputation. Nous devons la préserver. Ne t'en fais pas pour la réputation de notre famille. Elle ne risque rien. Je veux que tu penses à toi, ma chérie. J'ai déjà donné mon consentement. Mais pourquoi? Je vous ai donné beaucoup de soucis. À tous les deux. Jogen a dû abandonner l'université. Il a raison pour ce mariage. C'est une très bonne chose. Père, s'il vous plaît, donnez votre accord. Je ne t'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit contre ton gré. C'est d'ailleurs sur ce sujet que nous continuons à nous disputer, ta mère et moi. Est-ce que vous lui avez tout raconté? Dites-moi. Oui, elle sait tout. Et qu'est-ce qu'elle en pense? Ta mère veut que tu empruntes la voie qui te rendra heureuse. Toi seule peux décider. Ta vie n'appartient qu'à toi, ma fille. Je ne suis pas en état de décider. À vrai dire, je ne suis ni pour ni contre. Mais si je suis toujours éprise de quelqu'un d'autre, alors ce ne serait pas correct d'épouser Akshay. Dites-le à Jogen, père. Oui, ma fille. Si tu es toujours amoureuse, ne te force pas à oublier cet homme, ma chérie. Tu n'avais pas prévu de tomber amoureuse de lui, mais ça ne sera pas si facile de l'oublier, ma fille, crois-moi. Est-ce que je vais devoir passer ma vie à essayer de l'oublier? Ta vie? La vie est un merveilleux voyage, chérie. La vie est belle. Elle est pleine de surprises et d'expériences. Mais dis-toi bien qu'elle passe aussi très vite. Laisse ta vie trouver son propre rythme. Laisse-la faire comme elle le désire. Laisse-la libre. Je suis sûr qu'un jour tu rencontreras la bonne personne, ma fille. Je sais qu'il est dans ton cœur. Mais tu le connais depuis très peu de temps. Ce n'est pas une année qui va déterminer le cours de ta vie, ma fille. Regarde-moi. Tu connais la géométrie, n'est-ce pas? Il faut beaucoup d'éléments pour former un ensemble.
Qu'est-ce que c'est? C'est notre adresse actuelle, regardez. Ah oui, d'accord. Mais tu t'es trompé. Pourquoi? Ça s'écrit Gorakhpur, mais Gorakhpur est le nom populaire. Si tu as un problème avec la lettre K, alors... Non, j'arrive à l'écrire maintenant. Regardez, elle y est là. Je sais que tu n'aimes pas du tout la lettre K. Je l'ai déjà remarqué. Tu appelles Lakshman Lakman et Lakmi au lieu de Lakshmi. Parce que c'est leur nom. Il ne répond jamais quand je l'appelle Lakshman. Essayez donc. Pourquoi répondrait-il si tu prononces mal son nom? Et puis il passe son temps à jouer. Et si tu t'adressais à Hanuman, je suis sûr qu'il te répondrait. Qu'est-ce que vous dites? Il répond toujours quand vous l'appelez. Il va même jusqu'à la gare vous chercher le journal du Bengale. C'est pour toi qu'il le fait. Il veut que tu le lises. Mais tu ne lis jamais le journal. Tu le donnes à notre voisin. Oui, car M. Mukherjee n'a pas l'occasion de lire les journaux du Bengale. Ça lui fait très plaisir. Et d'ailleurs, pourquoi je devrais lire le journal? Pour savoir ce qui se passe dans le monde. Je n'en ai pas besoin. Vous savez tout, vous. Alors vous pouvez me raconter. Je ne serai pas là toute ta vie. Allez, viens. Mange un jalebi. Comme là. C'est jalebi et pas jalebi. Cher Jogan, M va un peu mieux à présent. Mais il lui fallait changer d'air. Alors nous sommes venus passer quelques jours à Kashi sur les conseils du médecin. Nous avons décidé de rester ici jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et qu'elle ait envie de rentrer à la maison. J'espère que tes études se passent bien. Prends bien soin de toi, avec toute mon affection, ton père. Kamla ? Non. Kamla. Vous m'avez appelé? Tu aimes bien jouer avec eux? C'est eux qui m'ont demandé. Tu jouais souvent dans ton village? Non, je n'avais pas le temps. J'aidais ma tante à m'occuper de la maison. Tu aimerais aller voir ton oncle et ta tante? Tu voudrais leur rendre visite? Tu ne veux pas y aller? Vous voulez me renvoyer vivre chez eux, c'est ça? Mais non, quelle idée! Je viendrai avec toi. Le tribunal ne ferme pas durant Durga Puja. En revanche, il le sera pour Diwali. Ma tante? Ah, viens voir ma tante. Tiens ta boucle de nez. Mon Dieu, j'ai failli perdre ma boucle de nez. Tu aimes les bijoux? Tu aimerais en avoir de nouveau? Dis-moi quel bijou te ferait plaisir. Qu'est-ce qui te plairait? Vous n'allez pas vous débarrasser de moi, n'est-ce pas? Non. Je te le promets. Depuis quand est-ce que vous toussez? Si vous ne suivez pas ce traitement à la lettre, vous allez m'entendre. Allez-y. Cette vilaine toux ne date pas d'hier, pas vrai? Est-ce que vous êtes sous traitement? Non. Enfin si, je prends des médicaments. Quels médicaments? Mon père pratique l'automédication. Il a une énorme boîte, pleine de comprimés homéopathiques. Dans ce cas, je vous conseille de laisser ces comprimés homéopathiques de côté. Vous êtes en vacances à Kashi, alors vous devriez en profiter. Et visiter Sarnath, par exemple. Et pourquoi ne pas prendre ces... médicaments pendant quelques jours.
Je repasserai pour voir si vous allez mieux. Voilà l'ordonnance. Où séjournez-vous ? Juste après Godolia. Un ami a une maison là-bas, sur la route principale. C'est la première maison sur la droite. Vous voyez ? Oh, c'est la villa Annapurna. Je connais cette famille. Vous habitez ici ? Oui, je vis à Kashi. Vous vous demandez si je suis vraiment médecin, c'est ça ? Au revoir. À bientôt. Voilà. C'était monsieur Je sais tout. Tu me prépares le déjeuner, Kamla ? Kamla ? Kamla ? Kamla ? Kamla ? Lakshmi ! Tu as eu une forte fièvre. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Donc, ne bouge pas. Fais-moi voir. Oh non ! Tu as 38,8 de température. Je l'ai su dès que je t'ai touché. J'espère que vous ne vous êtes pas brûlé la main. Aujourd'hui, tu ne vas rien faire du tout. Je veux qu'elle reste au lit. Je vais essayer de rentrer plus tôt du travail. Je passerai voir le docteur en rentrant pour prendre les médicaments. Si vraiment vous vous souciez autant de moi, alors pourquoi m'avoir envoyée dans cette école ? Allez, viens manger. Je ne vais pas réussir à marcher jusqu'à la cuisine. Pas de souci, je t'apporte ton assiette. Ça ne se fait pas de manger au lit. T'en fais pas. Pourquoi ce n'est pas lui qui est resté pour s'occuper de moi ? Apporte-moi aussi un vieux journal, s'il te plaît. Tiens, mange un peu. Moi, Ramesh Chandra Chaudhry, tiens à informer tout le monde que Kamla Devi, originaire de Sagadari, épouse de M. Nalinaksha Chatterjee de Kashi, va bien et se trouve chez moi à Calcutta. Si quelqu'un connaît M. Nalinaksha Chatterjee, merci de m'écrire à l'adresse indiquée ci-dessous. Épouse de M. Nalinaksha Chatterjee de Kashi, va bien et se trouve chez moi à Calcutta. Si quelqu'un connaît M. Nalinaksha Chatterjee, merci de m'écrire à l'adresse indiquée ci-dessous. घाट होते न
सागरों में कहीं नाव मेरी ठहरे जाने कहां Qu'est-ce qui t'arrive, ma tante? Tu ne veux pas venir avec moi? Où ça? Tu m'avais dit que tu m'aiderais à préparer ma poupée. Oh. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te souviens pas qu'on célèbre le mariage de ma poupée aujourd'hui? Je ne me sens vraiment pas bien, ma puce. Tu ne vas pas assister au mariage? Prends ce collier, c'est pour ta poupée. Mets-lui autour du cou. Ne retenez pas vos larmes. Pleurez. Autant que nécessaire. Pleurer soulagera votre douleur. Et si après avoir pleuré, vous avez la migraine, alors je vous soignerai. J'ai donné mon nom et mon adresse à votre père. Alors n'hésitez surtout pas à me solliciter, même en pleine nuit. Je vais vous laisser. Attendez. Est-ce que vous pensez vraiment que tout le monde trouve un jour sa destinée? Oui, je suis un incorrigible optimiste. Comment dois-je vous appeler? Tout le monde ici m'appelle Monsieur le Docteur. Mais vous pouvez m'appeler Nalinaksh. Je m'appelle Nalinaksha Chatterjee. Kamla? Kamla? Où étais-tu? Sans vous, je serais morte noyée. Je me demande comment vous m'avez sauvée. Vous m'avez donné un toit, bien que je ne sois pas votre femme. Vous m'avez respectée. Vous m'avez acceptée dans votre maison. C'est le fleuve qui m'a jetée dans vos bras. Alors c'est le fleuve qui doit me reprendre. Depuis qu'on se connaît, je ne vous crée que des ennuis. Je vous demande pardon pour tous les problèmes que j'ai causés. Pardonnez-moi si vous le pouvez. Prenez bien soin de vous. Que votre vie soit longue et heureuse. J'espère que vous me pardonnerez. Pardonnez-moi, je vous en prie. Kamla. Je ne pensais pas qu'elle partirait. Vous n'avez rien avalé depuis ce matin. Va lui chercher de l'eau. Vous voulez que je vous donne le fond de ma pensée? Vous avez une femme vraiment magnifique, monsieur. Mais vous n'avez jamais eu de relation intime avec elle, n'est-ce pas? C'est peut-être pour ça qu'elle... Attendez quelques jours. Et ensuite, vous pourrez organiser un rite funéraire. Et si vous le pouvez... Allez à Kashi,
pour le dernier rituel. J'ai cru comprendre que votre père était lui aussi mort subitement. Alors dans ce cas, vous connaissez déjà le dernier rituel. Non, c'est sa fièvre. Reste aussi élevée. Je ne crois pas qu'elle va s'en sortir. Voyez-vous, son pouls est très faible. Nous devons d'abord voir si les médicaments font effet. Est-ce que quelqu'un parmi vous saurait où elle habite? Non, personne ne la connaît. Petite, comment est-ce que tu t'appelles? Mais enfin, qui est-elle? Nous ne savons rien d'elle. Nous étions en train de revenir de Kumbela quand nous l'avons trouvée sur la berge inconsciente. Elle avait une forte fièvre, alors nous l'avons emmenée avec nous sur le bateau. Est-ce que vous avez déjà eu un grave accident? Avez-vous déjà subi un traumatisme dans votre vie? Ce sont deux questions différentes. J'ai déjà eu un accident. Mais cela n'a pas été un traumatisme. J'aurais aimé que c'en soit un. Vous dites ça parce que vous ne savez pas à quel point c'est douloureux. J'aimerais pouvoir le savoir. Je suis médecin. Je pourrais toujours me soigner. Je veux moi aussi connaître la souffrance. Que voulez-vous dire? Vous allez vous soigner vous-même? Pourquoi pas? On ne peut compter que sur soi. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Je suis sûre que vous avez une famille. Changeons de sujet. Venez, rentrons maintenant. Est-ce que vous vivez tout seul? Non. Il y a ma mère. Et qui a choisi votre prénom? Je pense que c'est ma mère. Je ne lui ai jamais demandé. Et vous qui l'a choisi? C'est mon père. Il a toujours su convaincre ma mère de ses choix. Le prénom de mon frère est simple, Chogendro. Mais le mien, Emnalini. Je n'ai chanté qu'une seule chanson l'autre jour. J'aurais beaucoup aimé en chanter d'autres. Mais vous vous êtes soudain mise à pleurer. Alors j'ai fini par comprendre que la chanson avait du succès, mais que personne ne semblait apprécier le chanteur. Pourquoi est-ce qu'ils allument toutes ces lampes? Ils vont célébrer quelque chose, faire un rituel. Attendez-moi, il fait très sombre ici. Attention, vous pourriez glisser et vous faire mal. Si vous le voulez, vous pouvez me tenir la main. Maintenant, vous pouvez continuer sans moi. Pourquoi? Nous avons fait 6 pas ensemble.
Avant de faire un septième pas, je pense que... Vous êtes médecin. Ne me dites pas que vous êtes superstitieux. Pourquoi vous ne l'êtes pas, vous ? Non, pas du tout. Donnez-moi la main. Si vous voulez passer votre vie avec moi, il vous faudra changer de prénom. Mais pourquoi ? Nalinakh et Mnalini, ça n'est pas joli. Et pourquoi ce serait à moi de changer mon prénom ? Parce qu'après le mariage, les femmes sont obligées de changer de nom de famille. Mais je ne pourrai plus exercer en tant que médecin. Qu'est-ce que je ferai de mes diplômes, de mes ordonnances ? Jetez-les dans le fleuve. Et ensuite ? Vous pourriez déjà commencer par me soigner. Vous avez toujours voulu alléger les souffrances des gens. Alors vous allez être comblé, puisque je vous confie le reste de ma vie. Montrez-moi comment vous me guérissez. Mon fils, attendez une seconde. Comment allez-vous ? Est-ce que vous me reconnaissez ? Je suis la mère de Sushila. Sushila, vous vous souvenez d'elle ? Ça va, ça va. Bien sûr que vous vous souvenez. Ma fille n'a pas eu de chance. À croire qu'elle ne méritait pas un bon mari, tout est de ma faute, je le sais bien. C'est très difficile de trouver un mari pour sa fille, vous savez. Alors je vous ai forcé à l'épouser. Mais elle n'était pas faite pour avoir un mariage heureux. Maintenant, tout ce qu'il me reste d'elle, ce sont des souvenirs. Ce mariage a tout détruit. Ils ont ramené son corps sans vie au village 2 jours plus tard. Et je suis restée là à la fixer. Les gens du village m'ont conseillé de lui enlever tous les bijoux en or qu'elle portait. Mais j'ai refusé. Je suis allée chez vous. C'est là que j'ai appris que votre père... Et je n'ai rien su de vous. Sushila n'était pas si malchanceuse finalement, puisqu'elle est morte avant son mari. Mère, qui est cette fille ? Quelle fille ? Eh bien, cette nouvelle fille. Celle qui faisait le ménage. Elle s'appelle Sushila. Ce n'est pas une fille. Allez, va lui chercher du lait, tu veux ? D'accord, mais... C'est notre nouvelle bonne ? Je l'ai croisée au bord du fleuve. Elle m'a suppliée. Elle est sans ressources. Elle est seule, elle n'a plus de mari. Alors, je l'ai amenée ici. Laisse-la rester. C'est vraiment très bon. C'est vous qui l'avez fait ? Écoutez, mère, il va falloir vous habituer à dîner à table. Et pourquoi ça ? Est-ce que ta femme moderne va me gronder si je ne le fais pas ? Vous avez fait ça aussi ? C'est délicieux. Reprends-en si tu veux. Pourquoi est-ce que tu poses autant de questions ? Ça ne peut pas être ta femme, enfin. Si ma femme était là... Elle pourrait cuisiner, te servir, prendre soin de toi, et s'occuper de la maison aussi. Et j'en serais très heureux.
Je sais que M sera une bonne épouse. Mais je ne sais si elle sera la belle-fille. Idéale. Aucune femme ne se marie pour prendre soin de sa belle-mère. Ne t'inquiète pas pour moi. Prendre cette décision n'a pas été une chose facile. Alors cesse de te torturer l'esprit. Je ne comprends pas, mère. De quoi, mon fils? Tu ne penses pas que je devrais attendre encore un peu? Tu as attendu pendant toute une année. Mais encore aujourd'hui, en plein été. Quand je laisse la fenêtre ouverte. Et qu'au milieu de la nuit, des rafales de vent s'abattent sur le Gange. Je revois les bateaux qui s'entrechoquent. Et ces mots résonnent encore à mes oreilles. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Je ne l'ai pas abandonnée, mère. Mais je devais aussi m'occuper des autres et les aider. Si seulement je ne l'avais pas quitté des yeux, je l'aurais peut-être sauvée. Cher Chuken, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour t'annoncer une bonne nouvelle. M va bientôt se marier. Le roi élu est médecin. C'est un Bengali qui vit à Kashi. Et il est parfait pour M. Mais il m'est impossible de finaliser cette union sans ton consentement. Réponds-moi au plus vite. Pour me dire ce que tu en penses, avec toute mon affection. Ton père. Père? Il est là. Pourquoi vous n'avez pas encore commencé à chanter? Père! Pourquoi reparler de tout ça maintenant? Tous les préparatifs sont prêts et sa mère a déjà fixé la date des fiançailles. Pardonnez-moi, père, je vous en prie. Je ne peux pas, c'est tout. Mais comment peux-tu dire une chose pareille, M? Cet homme ne mérite pas ça. Tu as eu le temps de réfléchir. Personne ne te force à épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Quand on t'a forcé la main, j'ai annulé le mariage. C'est pour ça que je vous ouvre mon cœur. Car vous seul me comprenez. Tu vas rejeter cet homme parce que Ramesh est revenu? Quand il t'a abandonné, tu te souviens dans quel état tu étais? Tu ne peux pas avoir oublié si vite. Fais un effort et rappelle-toi, ma fille. Pour pouvoir revenir,
Il faut être parti. Ramesh n'est jamais vraiment parti. Ah, vraiment? Et où était-il alors? Il était perdu. Nous avons supposé qu'il m'avait abandonné, sans même prendre la peine de le chercher. C'est vrai, d'accord, tu as raison. Mais réfléchis un peu, s'il te plaît. Est-ce que tu penses un peu à Nalim et à sa mère? Qu'est-ce qu'ils vont ressentir? Nous sommes des touristes akashi et nous allons repartir d'ici très vite. Mais eux, ils vivent ici, M. Très bien. Je vais aller parler avec la mère de Nalim et je vais lui raconter toute l'histoire. Vous m'avez toujours dit que je devais faire mes propres choix, père. Père. J'ai besoin de votre soutien. Croyez-moi, tout va bien se passer, père. Père? Biju? Oui? Viens par là. Pourquoi cette nouvelle bonne vient dans ma chambre si souvent? Ah, c'est vrai? Je n'étais pas au courant. Oui. Elle touche à mes affaires, elle tripote tout le temps mes livres, et là, regarde, elle vient de casser ce cadre. Oh non! Il y a du verre partout sur le sol. Je m'en occupe, monsieur. Apporte-moi ma montre, je l'ai oubliée. Très bien. Il y a un tel brouillard ici, que j'ai bien cru que vous n'arriveriez jamais. Suivez-moi. Il y a eu du brouillard pendant tout le trajet. Je craignais un orage. J'ai horreur des orages. C'est par une nuit d'orage que Vasudev a traversé la rivière Yamuna pour emmener Krishna à Vrindavan. Venez. Monsieur Vidyasagar a lui aussi traversé la rivière Damodar une nuit où la foudre grondait, parce que sa mère le lui avait demandé. Mon fils a traversé le fleuve pour me ramener ma belle-fille, lui aussi. Qui pouvait prédire qu'une tempête frapperait? C'était une journée radieuse, quand soudain de gros nuages sombres sont apparus. Les bateaux commençaient à tanguer. Tous les bateaux ont chaviré. Tous les invités, les musiciens et tous les gens à bord se sont noyés. Mais par la grâce de Dieu, mon fils a rejoint le rivage. Mais pas de trace de son épouse. Nous avons tout fait pour la retrouver. Nous l'avons cherchée sans relâche. Mais sans résultat. Oui, mon fils s'est déjà marié. Il y a un an environ. Et je ne sais pas s'il vous a tout raconté. Mais moi, je devais vous le dire. À vous de voir si cela change quelque chose. Je pourrais en effet m'en servir comme excuse et repartir sans vous dire la vérité. Mais cela ne serait pas correct. Je suis venue ici pour vous dire que je ne vais pas épouser votre fils. Pourquoi? Vous avez changé d'avis? Et je suis venue pour vous expliquer pourquoi.
mais je vous en prie, ne vous faites aucun reproche. Pourquoi ? Naline ne vous plaît pas ? Mais bien sûr que si. Alors pourquoi ? Je n'ai pas l'intention de vous créer des histoires. Je sais. Ce n'est pas à cause de vous. Oh. Je ne vais pas réussir à tout vous raconter, alors j'ai apporté cette lettre. Lisez-la, s'il vous plaît. C'est en fait pour votre fils que je l'ai écrite. Mais lisez-la aussi. Parce que je suis la mère de Naline, vous pensez que je suis instruite et cultivée ? Eh bien, ce n'est pas vraiment le cas. Lisez-la pour moi. Cher Nalinaksh, il y a une différence entre une plaie à vif et une plaie profonde. Mais je ne suis pas médecin comme vous, alors je ne la vois pas, pour moi c'est la même chose. Vous auriez dû m'expliquer la différence. Vous étiez prêt à aider quelqu'un qui souffrait. Et je vous ai vivement encouragé dans cette voie. Après que vous m'ayez soignée, j'ai réalisé que mes plaies à vif étaient guéries. Mais qu'il subsistait une plaie ancrée dans mon cœur qu'aucun de nous deux ne pourrait apaiser. Même si j'avais essayé de m'en défaire, cela aurait créé un immense vide en moi. Si quelqu'un accepte de vivre avec une plaie profondément ancrée, la souffrance fait partie de son quotidien. Je ne veux pas que ma souffrance vous fasse du mal. Je vous demande juste de me promettre une chose. J'aimerais que vous restiez mon ami pour la vie. J'irai jusqu'à prétendre que je suis malade s'il le faut. Ne dites pas non. Je ne me suis jamais excusée auprès de personne. Je n'en ai jamais eu besoin. Mais pour la première fois de ma vie, c'est auprès de vous que je m'excuse. J'ai vécu ma vie dans la souffrance. Je vais maintenant devoir vivre avec la culpabilité. L'attente est la seule constante de ma vie. J'espère que mon bateau trouvera un jour son port d'attache. J'espère que c'est pour bientôt. Je vous demande pardon du plus profond de mon cœur. M. Nalini. Ne pleurez pas, mère. Venez par là, passons à table. Vous n'avez pas faim ? Tiens, dépêche-toi. Monsieur, elle est encore allée dans votre chambre. Alors, tu n'y es pas allée peut-être ? J'y suis allée pour poser une lampe. Ne t'avais-je pourtant pas interdit d'aller dans la chambre de monsieur ? Ça suffit, lâche-la maintenant. Bijou va s'occuper de tout pour moi. Tu n'auras plus à faire quoi que ce soit me concernant. Ce n'est pas tout, monsieur. Elle a volé quelque chose. Et quand je l'ai surprise, elle l'a caché. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est vrai, madame. Elle l'a gardé avec elle. Elle ne veut pas le montrer. Qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce qui te prend ? Mère t'a posé une question, réponds-lui. Je lui ai demandé plusieurs fois, mais elle ne me répond pas. Écoute, si c'est quelque chose qui t'appartient, alors rassure-toi. Nous n'avons pas besoin de le voir. Mais si ça appartient à mon fils... Pardonnez-moi, ne me forcez pas. Je ne peux pas vous le montrer. Qu'est-ce que tu as pris ? Ça appartient à mon fils ? Si ce n'est pas le cas, dis-le-moi clairement. Pourquoi as-tu peur ? Je ne vais pas te forcer à le montrer. Fais-le par amour pour ton défunt mari. Ne me mens pas, Sushila. Bijou, vas-y, regarde et dis-nous ce que c'est. Viens, donne-le-moi. Dépêche-toi. Tu n'as pas entendu, madame ? Ha ha ha.
Entrez, je vous prie. Kamla ? Kamla ? Ramesh est venu te voir. Elle a une forte fièvre depuis 2 jours. Est-ce que tu te sens en état de lui parler ? Est-ce que tu en as envie, Kamla ? Demandez-lui d'entrer, s'il vous plaît. Je vous en prie. Tu avais de la fièvre la dernière fois que je t'ai vu. On dirait que ce n'était pas plus tard qu'hier. Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici ? Je t'ai donné une vie qui n'était pas vraiment la tienne. Je suis venu ici pour te rendre celle qui t'appartient. Mais quand je suis arrivé, j'ai tout de suite vu que tu l'avais retrouvée toute seule. Comment être vraiment sûr de ce qui est vrai et de ce qui est faux? Ne pense pas trop, Kamla. Il y a différentes sortes de relations, ce qui est bien et ce qui est mal, ce n'est pas à nous de juger. Alors arrête de te torturer. C'est vrai que Dieu choisit toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu sais bien que je ne crois pas en Dieu. Un poète de ton village a dit un jour une chose que je trouve assez juste. La vie est comme le flot de la rivière qui s'écoule et qui ne revient jamais. J'espère juste que vous n'allez pas m'empêcher de vous toucher les pieds. Non, promis. Mais tu es malade, ne te lève pas. Tu te souviens de mon adresse à Gorakhpur, n'est-ce pas ? Écris-moi, Kamla. Et ne t'en fais pas. Je ne regarderai pas les fautes. L'orthographe de votre nom est vraiment très simple. Je vais te laisser maintenant. Vous avez une longue route pour rentrer. Buvez un jus de fruits avant de partir. Biju. Bienvenue. Entre vite, Ramesh. Ça fait longtemps qu'elle t'attend. Meine Wahrheit.
बता